Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.1. Point quelque chose. Donc, la 2.2 n'est toujours pas sortie, nous sommes actuellement le 7 normalement de mémoire. Si j'ai mon téléphone, ce serait bien. Excusez-moi. Le samedi 8 octobre. Donc, toujours pas de nouvelles de date de sortie sur la 2.2. Nous sommes toujours à Sotis. Nous allons prendre quelques quêtes à Sotis, que ce soit dans New Holm ou dans l'autre station. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est Sotis Mining. Nous allons prendre des missions ici pour ce début d'épisode. Et ensuite, donc, je vais vous faire par principe. Vous avez demandé à ce que j'accélère les déplacements. Donc, en gros, je vais vous faire les déplacements. Vous aurez encore l'aspect visuel des déplacements. Mais vous aurez cependant tout le côté déplacement en version accélérée. Je ne sais pas, il faudra que vous me disiez si l'accélération que je ferai est trop importante ou pas assez. Mais ce sera à vous de me dire tout ça. Et ensuite, on verra ensemble si ça vous convient comme ça ou si vous voulez complètement que je coupe. Du coup, vous avez en tout cas demandé à ce que je fasse plutôt de l'accélération que de la. Tout simplement que de la coupure, un montage. Donc bah écoutez, on va faire comme ça. Encore une fois, merci de votre réponse, c'est vraiment sympa, je vous l'avais demandé, vous l'avez fait, c'est vraiment génial. Quand il y a ce dialogue là, je suis vraiment très heureux parce que c'est à ça que servent les commentaires véritablement. Et le dialogue doit être fait le plus souvent possible entre un youtubeur et ses viewers, je pense que ça aide beaucoup. Bon. Alors, on a déjà deux missions à donner à Seos pour à peu près 200 000 crédits, ce qui est très honorable. Hop. Là, on a 30 000 crédits. Alors, je vérifie quand même, mais sur le principe, oui, voilà, 23h51 minutes. J'ai lancé Vocals. Il y a des gens qui me parlaient aussi tout à l'heure directement dans le chat du jeu. Donc, n'hésitez pas encore une fois à m'ajouter directement dans le jeu, hein, commandant Marcus Bonus. Vous savez ça, normalement. Hop, 10 000 crédits. Bon, c'est pas excessif, mais c'est pour ça. Hein. Ok. On va faire toutes les instances quand même. Hein. On va rester dans le même domaine. État en attente, faillite. Oh putain, c'est con ça. Excusez-moi. Le froid commence à m'attaquer le matin. Mince, j'ai pas vu la communication avec. Alors là, c'est The Deep Shadow. Bah, les deux sont là, d'accord. Cool, parfait. Hop, commencer. Groupe privé. Et on va partir directement en solo en ligne. Ensuite. De toute façon, ça va assez vite. Dites-moi si vous souhaitez que je passe le moment d'émission. Moi, ça me permet de discuter avec vous, donc c'est pratique. Parce que si je passe toute la vidéo, forcément, les discussions vont être vont moins bien se passer. Hein. Ça va moins bien se faire. Et bon, je reconnais que c'est pas la partie la plus intéressante, hein, techniquement regardée. Au contraire, je trouve que la partie de déplacement était plus intéressante. C'est votre choix, je vous l'accorde. Je l'accepte. Enfin bref, vous comprenez tout ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire sans même que moi je sache ce que je veux dire. Ce qui est génial, là aussi, ça. Ça fallait le préciser. Alors. Auxiliaire Teresa Snyder, bonjour. Au niveau de l'inventaire, je suis à 56-72. Vous voyez, là, ça va peut-être être compliqué d'avoir toutes les missions. Va sûrement falloir que je revende des choses. Du coup. Alors, c'est laquelle ingénieur qu'on va aller voir? Vous allez comprendre pourquoi je fais ça, chers amis. Parce que du coup, je vais quand même regarder les différents plans. On va aller voir Elvira Martuk. Hop. Ingénieur, blueprint, ingénieur. Elvira Martuk. Increase FSD range. Processeur chimique, phosphore. Je suis désolé, j'ai la moitié mal à la gorge. Hop, c'est mieux. Bon, on va y avoir plein de choses. Plein de choses. Ça va être une vraie. Hop, une vraie saloperie. Il faudra vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on va récupérer. À ce qu'on a récupéré même précisément. Parce qu'au niveau de l'inventaire, on a des matériaux.
Par exemple, il va me falloir de l'arsenic, j'en ai pas suffisamment pour le niveau 5. Si, je peux en lancer 2. Manipulateur chimique, est-ce qu'on en a? Normalement oui, manipulateur chimique, on en a 6, c'est parfait. Data mined, wake exception. Exception, pardon. Ça va être là-dedans. Je crois que ça doit être ça. Ou alors ça doit être là-dedans et c'est pas ce qu'on a. Magnetic emitter coil. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, non, data mined, c'est peut-être pas ça. Attendez, je vérifie, mais je les vois pas. Bon, on verra bien de toute façon. Et le truc, c'est quoi? Magnetic emitter coil. Donc, un truc en rapport avec magnétique. Microcontrôleur qu'on lui transfère. Bon, bon, bon. On verra bien sur place. Tant pis, je vais faire des sauts avec la cargaison pratiquement pleine. Et on verra bien. Ok. Je vais pas aller à Sotis Mining. Par principe. On va aller qu'ici. Et non, pas du tout, justement. Alors on m'avait dit que je peux cumuler. Donc si vous voulez ajouter des groupes privés pour pouvoir profiter de plus de missions, je fais dans ce genre de station. N'hésitez pas. Si vous me voyez en ligne, n'hésitez pas à m'ajouter. Hein. Bon, je vais pas le faire là maintenant parce que je suis avec des gens, enfin je suis en tournage justement. Mais sur le principe ça marche. Vous pouvez m'ajouter et gagner un groupe privé supplémentaire. Et en les cumulant donc gagner des missions supplémentaires aussi, des choix de missions supplémentaires. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui considèrent que c'est du grind, personne m'en a encore fait la remarque. C'est vrai que c'est plus ou moins toléré par les développeurs, on en avait déjà parlé à l'époque de Robigo. Mais bon. C'est encore une fois une autre... Bah là, il n'y aura pas qui est parmi. Notre philosophie du jeu, entre guillemets, si je puis dire. Qui est peut-être un petit peu moins réaliste. Mais bon. Mais bon. Alors, certes, alors du coup, je me suis un petit peu renseigné sur l'avenir potentiel du jeu. Et beaucoup ne perdent pas le moral vis-à-vis du fait qu'on puisse avoir une version FPS du jeu, c'est-à-dire. À la manière de ce qui a fait que Star Citizen a pris une grosse ampleur chez beaucoup de joueurs, c'est l'arrivée d'un système de FPS intégré au jeu. Donc, mes informations au niveau de Star Citizen sont assez vieilles, donc je ne vais pas en parler. Cependant, je vais peut-être essayer de rentrer en contact avec certains autres youtubeurs pour essayer de comprendre leur version des choses et peut-être vous proposer un débat, on va dire, autour de Star Citizen versus. Peut-être pas forcément versus, mais pourquoi Star Citizen plutôt que Elite Dangerous, ou pourquoi Elite Dangerous plutôt que Star Citizen. Comprendre un petit peu les motivations des deux parties, entre guillemets, ça pourrait être sympa. J'ai déjà quelques personnes en tête, donc je vais essayer de les contacter, on verra bien si elles répondent, en l'occurrence. Hop. Parfait. Bon bah là on a tout. Hein. Ah non, encore une ici, c'est parfait, c'est génial. Hop, par contre on va pas avoir assez de place, vous allez voir pour les marchandises qui vont nous filer. Mais bon, on va bien voir. Peut-être qu'il y aura des marchandises genre écho de données, tout ça, et que du coup on gagnera de l'espace. Ok, bon on y va. Hop, on se bouge le cul. Le petit trajet, je vous ne le ferai peut-être pas passer. Ah non, il est assez long normalement celui-là. Donc je vous l'accélérerai sans doute. Donc ne vous moquez pas de moi si je... Ah non, il est court. Celui vers Sotis Mining qui est de 4000 et quelques. Ouais non, il est court celui-là. Ne vous inquiétez pas. Ça aurait pu être pire. Je sais plus si j'ai la lumière allumée. Lumière. Reçu. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Alors, comme ça. On m'a dit qu'il fallait toujours considérer que c'était à droite. Du coup je tourne, histoire de que ce soit véritablement à droite en fait. Et
bon, les Anglais, j'imagine, verront, enfin, les Britanniques voudront toujours, enfin, ceux sous la couronne britannique ou les anciennes colonies britanniques qui ont justement eu le droit à ce système inversé entre guillemets par rapport au nôtre. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage, rétrocédé. Eux le feront peut-être de la part, enfin, dans le sens de la vers la gauche, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, c'est autre chose. C'est parti. Alors. Initialise le saut FSD. Activation HFD. On va aussi profiter du déplacement vers Elvina Martuc, c'est ça, hein. C'est ça. Pour tout simplement faire un maximum de scans de découverte pour aller revendre directement chez elle et obtenir la plus grande sympathie qu'on puisse avoir de sa part. Ça pourrait être pratique. Alors j'aimerais peut-être au moins passer au niveau 3. Je sais que je vais pas avoir ce qu'il faut. Essayez en fait d'avoir un bon niveau d'amélioration pour profiter un maximum d'une grande capacité de saut, quoi. Même si je sais que ça va être compliqué compte tenu de la difficulté d'obtenir certains composants. Quitte à ce que je farme un petit peu ces composants avec ce vaisseau qui était fait pour à la base. Hop, je veux pas trop par contre, voilà. Hop. Crac, c'est bon. Ouais, parce que là l'arsenic je vais l'avoir. Chemical Manipulators, je vais les avoir aussi. J'aurais peut-être plus de chance avec le niveau 4. Et encore, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. On verra bien. Mais ouais, j'ai des doutes. Hein. Forcément, j'ai des doutes, chers. J'ai de gros doutes. Je tiens quand même à préciser, je pense, hein, vous me le dites dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, que l'accélération pour les déplacements longs se fera justement exclusivement que sur les déplacements longs de plusieurs années-lumière. Je ne le ferai pas tout le temps. Encore une fois, un côté appréciable du jeu, c'est le fait de pouvoir s'arrêter pendant un temps et regarder et de se dire « Waouh, c'est beau !» C'est un des côtés importants du jeu. D'autant plus, en fait, je dirais même que dans la 2.2, il y aura une grosse amélioration graphique de la plupart des effets de lumière, normalement, et normalement des effets de reflets aussi, des effets d'ombre et reflets. Si je me trompe pas. Mais oui, avec l'amélioration graphique, plus le reshade que j'ai mis, plus tout ça, tout ce qui va avec, l'objectif est bel et bien de rendre le jeu véritablement visuellement extrêmement intéressant à regarder, enfin pas forcément intéressant, mais extrêmement appréciable à regarder, tout simplement. En fait, pas vos salauds. C'est parti. Allez boost, on y va. On est pressé. Même si on sait tous ensemble, chers amis. Voilà, on a 0 minute ici, 0,2 minutes ici, 0,1 minute ici. Peut-être que le 0,2 minutes on va l'avoir. Et le 0 minute, voilà, on va pas l'avoir. Oh, t'as fait ton vilain garnement. Bon bah je laisse tomber pour les 2 minutes, hein. C'est pas gravissime. Enfin n'empêche, regardez visuellement à quoi ressemble le jeu, quoi. Regardez ça. Si c'est pas magnifique, honnêtement. Ah, m'avait dit, chers amis, m'avait dit. C'est parce qu'il continue à se garer. Que je peux supprimer l'utilisation des musiques particulières. Alors ça m'a surpris. C'est l'appontage ? Alors dites-moi si je me suis trompé ou pas. Je serais ravi de le savoir. Service de spatioport, du coup là cette fois-ci on va pas rentrer dedans.
Hop, tableau des missions. Et on va les rendre un maximum de quêtes le plus rapidement possible. Alors. Alors. Voilà, c'est parti. Pour principe, je vais juste aller très vite. Pour pouvoir être sûr de... d'avoir les... Oh, j'ai gagné un truc. Hop. Ah non, c'est peut-être le fait que j'ai simplement laissé le menu apparaître. Hop. On s'est quand même fait pas loin d'un million de crédits là pour le coup. Hein. Je veux pas dire, mais on était à 400, on s'est fait 700 000 crédits là. C'est quand même pas mal. Et niveau, là on est 5% d'enseigne, 76% amical, 51% entrepreneur toujours. Ok. Donc, là par contre. C'est quoi ce bordel? Ok, mais non, mais la quête elle est finie. Voilà, bon, bah elle est finie, c'est parfait. Ok, bon, donc, Elvira Martuk. J'aurais dû aller directement dans son interface. Afficher sur la carte de la galaxie. Voilà. Pourquoi itinéraire impossible? Ah bah voilà. 333 SL, donc il y a un petit peu de temps. Hein. Combien de sauts va y avoir au total? Je dirais une dizaine. Ouais, un peu plus quand même. Ok, bon bah on y va. C'est marrant, j'ai un bug au niveau de l'interface. Le dialogue, en fait, elle est montée plus bas. Elle est pas montée comme il faut. Bug. Voilà. Hop. Ok, bah on peut y aller de toute façon. On y va. Hop. Donc tout ça, comme vous l'avez demandé, je vous le passerai, chers amis. Hein. En tout cas, je vous l'accélérerai. Hop. Probablement à partir de maintenant, ou du moment où j'aurai sauté. Donc, soit je parlerai, et dans ce cas-là, vous aurez le plaisir d'entendre ma voix parler tout seul en mode accéléré. Mais je pense que ce sera trop rapide, en fait, au niveau de l'accélération. Remarque, si j'ai des réactions à voir, normalement, vous les aurez en version accélérée. Hop, voilà. Crac. Et nous sommes. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage rétracté. Verrouille le prochain itinéraire. Verrouillage du prochain itinéraire. Ça marche bien quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, chers amis, mais je trouve que ça marche quand même extrêmement bien. Hop, on est bon. Les gars qui se connectent. Hop, c'est parti. C'est parti. On devrait être bon dans deux. Une. Ah non, je pensais que ça allait être bon. Ben voilà. Initialise le saut FSD. Activation HSD. Bon. Eh ben on a plus qu'à y aller maintenant, hein. On a 14 sauts à faire. Ça devrait être assez rapide à mon avis, hein, d'un point de vue logique. Vu qu'on n'est pas excessivement... Ah remarque, on est peut-être un petit peu trop chargé. D'ailleurs j'ai pas regardé du tout combien de DG j'avais gagné sur moi. C'est une erreur de ma part. Parce que si je suis plein, j'en ai potentiellement pas eu. Je sais pas si le jeu me lance un warning si je suis plein. Hop, on va regarder ça. Hop. Allez. 72. Donc ouais, là je m'inquiète du coup. Mais bon. Hop. Initialise le sous-FSD. Activation HFD. C'est parfait. Hop. Du coup, j'ai profité de l'accélération pour vous dire des choses. Exemple, je vais peut-être passer au facecam.
Bon, alors on a fait ce petit trajet en mode accéléré normalement. Là j'ai coupé l'accélération si je puis dire. Maintenant, Long Side Base. Hop, où est-ce que c'est? On y va, on est dans la bonne direction en plus, c'est parfait. On va voir notre amie Elvira Martuc. On va profiter un petit peu de ses capacités d'ingénieur, d'ingénierie. Alors, l'avantage c'est qu'elle est pas très loin en fait vis-à-vis de la première étoile. Maintenant 22 SL, c'est vraiment pas loin. Faut dire, on n'a pas une super bonne accélération non plus là pour le coup là. On verra bien. On verra bien ce que j'aurai d'utile dans le. Dans ma soute. Ça va sûrement être sur la planète apparemment, donc ça c'est une mauvaise nouvelle, parce que la dernière fois que je suis sur la planète, c'était pas. Ça s'est pas si bien passé que ça. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas posé sur une planète. 12 SL. Et en douceur, Marcus. En douceur, Marcus. Je le sens pas, honnêtement, je le sens pas. Mais bon. Un petit peu sans trop baisser, parce que là vous voyez qu'on n'est pas grave. Normalement 45 degrés c'est ce qu'il y a de maximum, mais bon, on
Bon, là on est sur une valeur de 35 plutôt, qui est réduit d'ailleurs. C'est pas plus mal. Ok, ah oui, je me rappelle. Elle est dans l'ombre de la bosse qu'on voit devant. Exact. Je me souviens maintenant. Je me souviens. Hop. On va essayer comme ça. On commence déjà à la voir. La lumière est allumée, c'est bon. Ok. Sorti de l'orbite de croisière, on est bon. Ça se passe assez bien. Chaque fois, il y a ce petit lag ici, d'ailleurs, à ce moment-là. Initialisation de la descente, on est bon. Oh, c'est jaune. Ah, c'est joli. J'aime beaucoup. En plus, c'est un jaune vraiment qui pète. Limite doré. Non, non, là, j'aime bien. Descente terminée. On est à la bonne distance. C'est génial. Alors, je me rappelle plus comment se comporte le comment l'ordinateur. Je sais pas comment, je me rappelle plus comment il se comporte le ordinateur d'affrontage sur une planète. Je pense qu'il se comporte assez mal. Hein. Il est genre très très violent. En plus, la gravité est supérieure à une gravité classique. Du coup, je pense que l'atterrissage va être véritablement violent là pour le coup. Là. On va regarder, mais. J'ai des gros doutes. Je vais mettre plus de puissance. Je ne peux pas mettre plus de puissance dans le système pour la protection avec les boucliers. Tant pis. J'aurais bien aimé. Juste apprécier, mais non. Apparemment non, je n'y ai pas droit. En douceur. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Hop, parfait. Bon. Entrons dans le hangar, service de spatio. Opération. Hop. Pourquoi j'avais pas le même prix? Regardez, là j'avais 1500 et en fait pour 500 et quelques ça m'a suivi. C'est bizarre. Service de spatioport. Faire le plein. Universal Cartographics. Hop, ça c'est fait. Est-ce que ça marche toujours? Ça ne marche plus. D'accord. FSD, bon. Portée FSD améliorée. 3 à 10%. Bah écoutez. Il faut. Ah la vache, il faut des échos de sillage perturbés. Je peux en faire que 2. Oh la violence. Ok. Afficher les coûts et générer. Faites que ça passe bien. Ok. La vache, au niveau de la masse, c'est pas bon. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, même si je gagne. Je gagne entre 0 et 1 au niveau de la masse du FSD. Mais au niveau de la masse en règle générale, au lieu d'être à 1050. Je sais pas. L'optimisation de la masse devrait être. Je sais pas. Appliquer, c'est pas grave, pour l'instant on applique. Et là maintenant je peux passer au niveau 2. Normalement. Mais j'ai pas de d'écho de sillage perturbé. Ah la vache. J'ai pas de sillage d'écho. Ah, mince. Intégrité, il est un peu plus faible. Charge thermique, elle est moins importante. Charge optimale. On peut passer là-dessus, vite fait. Ça va nous augmenter son niveau à elle.
Hop. Hop. J'ai mis le niveau 1, j'aurais peut-être dû mettre le niveau 2, j'étais stupide. Consommation moins 5%. C'est bon. Ok, pourquoi pas. Ok. Parce que si je peux avoir le niveau 2, ça serait encore mieux quoi. Micro logiciel spécialisé périmé, j'en ai pas. Et du samarium, j'en ai pas non plus. Ok. Je suis qu'à 12%, donc il va falloir vraiment que je fasse des choses. Bouclier. J'aimerais si possible un bouclier plutôt. Consommation réduite, masse optimale réduite, masse. D'accord, intégrité, par contre, oui, il est moins solide. On peut passer là-dessus aussi. Si ça peut augmenter ma capacité de saut, personnellement, moi je suis pour. Hein. Où est-ce que je suis censé la voir, ma capacité de saut, normalement? Là. Portée de saut 29, optimale 37. Si je l'applique. 37,82. 37,82. On réessaye. Hop. 37,82, généré. Alors. Hop. Ok. Si je l'applique, est-ce que ça change quoi que ce soit? 37,84. Donc c'est vraiment pas. C'est vraiment très sensible. Hein. C'est vraiment dommage. Du coup je vais être joueur. Ah bah non, j'en ai plus du tout, d'accord. Ok, j'ai joué au con. Bon. Écho de sillage perturbé, j'en ai pas. Et praséodyme, j'en ai pas. Bon. C'est con parce que regardez, je pourrais en faire tellement ici. Je pourrais en faire tellement en rang 3. En rang 4 je pourrais pas parce que j'ai pas le scénario de l'alimentation. Je pourrais même faire un rang 5. What? Ah non, là faut qu'on génère des choses, chers amis, là ça va pas le faire. Là ça va pas le faire. Hop, c'est parti, on va générer des choses. Hop. 84 toujours. Hop. Afficher les coûts et générer. Voilà. Toujours. Je pourrais même faire un rang 5. Ce serait dommage de passer à côté. Hop. C'est, le rang 5 normalement c'est entre 20% en plus et 50% en plus. Autrement dit, c'est complètement épique. Faut que je réussisse à atteindre le rang 5 en fait. Ça va être compliqué. Ça va être largement compliqué. Hop. Et faut pas que je casse aussi toutes mes chances avec ce truc là. Faut que je vérifie si ça va pas avec autre chose. Oh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Oui, donc j'ai dit faut pas que je casse mes chances. C'est du. Alors c'est quoi que je récupère depuis tout à l'heure? Du soufre. Est-ce que j'ai besoin de soufre à un moment donné ou pas là-dedans? Phosphore. Manganèse. Arsenic. C'est bon. Y aller à fond dans le soufre. À fond dans le soufre. Ça ne veut pas dire que je souffre hein. Mais bon. Hop.
Voilà. 387 quand même. Et ici c'est quoi que j'avais? Enregistrement de cycle. Hop, j'ai les coups générés. Crac. Hop. Consommation moins 1%. Ah non, plus 1%. Plus 1%. Ok. Allez, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Augmente tes capacités d'amélioration. Hop. Ok. Dommage. C'est pas grave. Et là normalement on devrait passer au niveau supérieur là pour le coup. Pourquoi j'ai mis... Oula, j'ai fait des trucs bizarres, je le sens. Voilà. Non, ça je voulais le laisser, effectivement, d'accord, ok, c'est bon, je me souviens maintenant. Consommation réduite, ou si tu peux. Afficher les coûts et générer, c'est pas grave. Hop, vas-y, fais péter. Donc là, normalement, je devrais avoir accès au rang 3. Au rang 3 qui lui m'offre entre 11% et 31% supplémentaires. On peut dire qu'en moyenne, on a 20%. 20%. On pourrait passer à 43, c'est ça, ouais, à peu près. Hop, on va le prendre. Même s'il réduit mes résistances, hein, ce qui est débile. Hop, on n'y est pas. Ça tombe bien parce que j'aime pas ce qu'il m'a fait sur celui-là, donc hop. Oula. On va revenir dessus tout à l'heure. Retour, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Hop. Veux-tu bien fermer, s'il te plaît, merci. Voilà. Excusez-moi, un petit pépin. Hop, voilà qui est mieux. Je suis en train de me demander si le son était à fond depuis le début. Vous avez pas dû entendre grand chose au niveau du jeu. Hop. Bah vas-y, fais péter, écoute. Hein. Ok, nous avons donc accès aux améliorations niveau 3. Et je pense qu'on va rester là-dessus pour le moment. On va cependant regarder quand même. Phosphore, processeur, solution de sillage anormal, terminaux modulaires. Il n'y a aucune... Je peux en faire deux. Et il n'y a aucune incidence. Résultat prévisionnel. Donc du coup, si on dépasse les 20%... Donc là, ça veut dire que si on dépasse littéralement les 43... 30, alors 37. Attendez, on va faire le calcul précis parce que... 37,85 fois... 1,2 et 45 total. Donc si on dépasse les 45 avec la première, on n'en refera pas. Incoming message. Oula. Incoming message. Oula. C'est que ce bordel. Hop. Peut-être planté avec le niveau 3, hein, mais. Je vois que 11%, ça m'étonne. Bizarre. Masse, moins 4%, c'est bien. Appliqué. On est donc passé à 42, presque. 42, ouais, on a 35% ici. Sélectionné. Allez, on retente notre chance, chers amis. Soyons fous. Hop, voilà. On retente notre chance, c'est parti. Je suis fou, au pire on l'installe pas.
Hop. Consommation plus 7 points. Vache. C'est tout? Non, parce que c'est pas mieux que ce que j'avais avant. Abandonné. Ça va quand même augmenter sa capacité à elle. Par principe. Par principe. Je vais essayer d'améliorer quand même le bouclier. Toujours. Qu'est-ce qui me manque ici? Ouais, d'accord, plein de choses. Bouclier renforcé, puissance optimale, résistance cinétique. Par contre, taux de régénération. Si je passe là-dessus, sur un niveau 3 là-dessus, ça devrait peut-être le faire. Hop, allons voir. Phosphore, composant... Attendez. Non, c'est bon, j'ai la quantité qu'il faut. On peut tenter. Allez hop, on tente, c'est pas grave. Soyons fous. Hop, ok. Ok. Ah, il est moins lourd. Ah, je le prends. Je le prends. On est donc passé au niveau 4 de FSD. Et je ne l'ai pas de disponible si le système d'alimentation. Ah oui, c'est le niveau 5 que j'ai. Merde. Merde. C'est le niveau 5 que j'ai. Fait chier. Du moteur, je suis déjà au maximum. Générateur de bouclier, faut que j'en fasse plusieurs alors. Phosphore, composant conducteur mécanique. Et bobine d'alimentation magnétique. Enfin, bobine de machin magnétique. Je vais retourner voir ce que c'est, sinon je vais me planter. Bobine d'émission magnétique. Est-ce qu'il parle de ça quelque part? Putain, bobine d'émission magnétique. Ah! Ah! Remarque, je peux en prendre deux si je veux. Allez, je peux en prendre deux. De toute façon, j'ai qu'une chance pour le générateur de bouclier. Hop, soyons fous. Non, j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes trucs. Oh, impact sur la partie terre moins important, ça c'est cool. Résistance thermique moins importante. Résistance cinétique plus importante. Cool. On y va. Non, on abandonne celui-là. 7%, oh la vache. Et c'est dur en 3, hein, mais normal, dur en 4, il y en a qu'un ici. Ok, bon. Bon, on va rester comme ça. On va rester comme ça pour le moment, chers amis, c'est pas grave. On a gagné un petit peu de capacité de saut. Et on va vendre sans doute quelques petites choses ici. Mais il veut pas. Il n'est pas intéressé. Ok. Ok, ok. Et bah écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous pouvez tout simplement retrouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Et bien sûr, normalement, je pense que dans le prochain épisode, on ira simplement aller chercher cette fameuse. Comment il s'appelle ça? Ce fameux système de réseau d'alimentation. Je vais regarder vite où est-ce que c'est, normalement. Trajectoire d'hyperespace, c'est marrant, ça ressemble pas à ce que j'ai moi. Pas à ce que j'ai moi, alors attendez. Elite, on va quand même regarder vite fait. Elite Dangerous, système de réseau d'alimentation. On va regarder quand même. Hop, je vais prendre normalement. Apparemment, j'ai un site. Système de réseau. Ah bon. Staff Carl. Au niveau du système Staff Carl. On va regarder vite fait où est-ce que c'est. Je dis bien vite fait. Staff Carl.
C'est loin. Ça fait moins de 10 sauts, tu me diras. Eh, peut-être valable. C'est peut-être valable. Eh ben, on ira dans le prochain épisode, chers amis, en tout cas. Hop. Ok. C'est là qu'on ira. Eh ben, écoutez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop.